Monsieur le ministre, nous poursuivons maintenant notre séance avec des questions portant sur des thèmes économiques et sociaux. La parole est à monsieur Jean-Luc Laglaize. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Le transport aérien mondial, les compagnies aériennes, les aéroports, les industriels, maîtres d'œuvre et la sous-traitance sont touchés de plein fouet par la crise du Covid-19. 95% des avions dans le monde sont cloués au sol. En région Occitanie, particulièrement dans mon département, en Haute-Garonne, Airbus est le plus gros employeur de cette filière industrielle de pointe qui subit aujourd'hui un coup de frein brutal. Autour de Toulouse, ce sont 50 à 100 000 emplois qui pourraient être détruits d'ici quelques mois. Vous l'aurez compris, si cette filière plonge, nous allons au-devant de conséquences économiques et sociales dramatiques. Vous avez annoncé des mesures sans précédent pour sauver Air France KLM par le biais de 7 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, et c'est tant mieux. Il faut aussi sauver la filière aéronautique des grands groupes jusqu'aux PME. Une filière qui est la seule filière industrielle en France à contribuer positivement pour plus de 30 milliards d'euros à notre balance commerciale. Nous devons donc transformer cette crise en occasion unique d'aller plus vite et plus fort avec de grands programmes comme au temps du lancement de la 320. Il faut aller plus vite et plus fort vers une décarbonisation de l'aérien. Il faut aller plus vite et plus fort vers une transformation numérique de l'outil industriel et encore une fois, depuis les grands groupes jusqu'aux ETI et aux PME. Il faut aller plus vite et plus fort en lançant un nouveau fonds d'investissement dédié de type Aerofound pour irriguer toute la filière. Dans ce contexte de crise inédite, face au soutien massif des États-Unis et de la Chine à leurs propres constructeurs, quels moyens comptez-vous employer pour sauver toute notre filière aéronautique et pour préserver le savoir-faire de nos PME et de nos ETI des appétits chinois? Et à Toulouse, on sait ce que c'est les appétits chinois. Merci, cher collègue. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Laglaize. Vous avez raison, l'aéronautique, c'est une filière de premier ordre en France. Nous sommes le seul pays avec les États-Unis, encore aujourd'hui, à être capable de construire de A à Z un avion et d'avoir tous les corps de métier et toutes les compétences présentes sur notre territoire. Et vous avez également raison de noter que dans la situation actuelle où l'aviation commerciale est particulièrement touchée et où les programmes d'investissement sont par conséquence quasiment à zéro, il y a un impact majeur pour notre filière aéronautique. Alors comment avons-nous agi depuis quelques semaines? D'abord, nous avons été immédiatement en contact de cette filière, que ce soit le ministère des Transports, le ministère des Armées ou le ministère de l'Économie, pour les accompagner dans trois directions. La première, la mise en place des mesures d'urgence, parce qu'elles étaient nécessaires, et le chômage partiel est venu particulièrement à propos pour sauver des compétences rares, puisqu'il faut 10 ans pour former certaines compétences dans l'aéronautique. La deuxième chose, c'est effectivement d'accompagner la reprise du travail dans des conditions sanitaires irréprochables. Et ça nous a pris beaucoup de temps de discussion avec les organisations syndicales et avec les entreprises, justement pour trouver ces justes équilibres pour reprendre le travail et répondre à la demande mondiale, puisqu'on continue de produire dans les autres productions. La troisième chose, c'est de préparer la suite. Bruno Le Maire l'a dit hier, il souhaite un plan de relance pour la filière aéronautique, il souhaite un plan de soutien, et ce plan de soutien doit être à la mesure des enjeux auxquels nous faisons face. Il est trop tôt pour en dessiner parfaitement les contours. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons trois objectifs. Le premier, vous l'avez dit, c'est d'assurer la compétitivité de cette filière en investissant dans l'industrie du futur. Le deuxième, c'est la transition écologique. Nous sommes les meilleurs dans ce domaine-là. Continuons à creuser cet avantage concurrentiel. Enfin, le troisième, c'est effectivement d'accompagner peut-être certaines reconversions. Nous y travaillons avec la filière. Nous réunirons demain le comité stratégique de filière. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à madame...